Nous sommes en 1977. La place des femmes, c'est au foyer, c'est pas au travail. Mais aujourd'hui, elles veulent être reconnues comme de vrais partenaires. Coucou. Ça s'est bien passé hier soir avec ton acheteur allemand? Oh, fous-moi la paix, Suzanne. Si tu veux mon avis. Ton avis? Quel avis? Tu as un avis? Mais Robert... Ce que je te demande, c'est de partager le mien. Sinon, tout le reste, c'est des paroles et de l'énergie perdue. Allez, tais-toi un peu. Ma pauvre maman, tu ne comprends rien. Mais il faut penser à l'avenir et se moderniser. Cite-moi des femmes aussi gâtées que toi après 30 ans de mariage. Ah ça, pour ce qui est de l'électroménager, je suis une petite reine. Tu vois, tu es comblée, t'es obligée de l'admettre. Comment ça va, Nadège? Pas de touche. Madame, c'est horrible. Une grève? Oui. En défaut de négociations rapidement entamées, il y aura un durcissement de la grève. Je pense que monsieur, votre père, devrait se faire remplacer. Et pourquoi pas vous, madame Pujol? Maman, mais c'est une blague. Je représente un patronat souriant, juste, chaleureux. Une bourgeoise nymphomane. Excusez-le, il est un peu rude, il est communiste. C'est typique. C'est une autre femme. Allez, il y a une quiche qui t'attend au frigo, puis là, pour être la réchauffer. La salope. C'est un cauchemar, hein? Pourrions-nous nous voir dans un endroit plus discret? Nous pouvons aller dans mon bureau, si vous voulez. Non, mais je préférerais dans ma voiture. Bon, ça suffit, j'ai changé. Je suis une nouvelle femme. Et ça, grâce à la patronne. Tu as dans le sens de l'histoire, maman. Partout, les femmes prennent le pouvoir. Oh, mais ta gueule, toi! Qui c'est le patron ici, nom de Dieu? Moi. Ben, si je comprends bien, c'est moi maintenant la potiche. En quelque sorte. Et j'ai pas dit mon dernier mot.